Hey, bonjour tout le monde, Soximos. Avant que la vidéo commence, les amis, je tenais à vous ouvrir ça. C'est un colis que OK m'a envoyé. Vous savez qu'il m'envoie souvent des produits. Et là, ils m'ont envoyé leur dernière batterie. Enfin, c'est les toutes nouvelles qu'ils ont sorties. Il y en a une de 10 000 mAh et la version grande 20 000 mAh. J'avais envie d'ouvrir ça avec vous, les amis. Donc, hop là, regardez ça. Voilà. Donc, on a même un petit étui. Ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Hop, je l'ouvre comme ça. Et là, on a la batterie. Voilà, ultra compact et tout, c'est leur nouvelle batterie. Il y a un truc pour l'allumer. Il y a un petit bouton pour l'allumer ici. Et là, il y a des petits voyants. Donc, je crois qu'on peut la recharger. Alors, attendez. On peut la recharger avec soit un câble micro USB qu'on a juste ici. Ou sinon, on peut la recharger en Lightning. Donc, c'est avec les téléphones Apple. Donc, voilà, c'est super. Et on a la version en grand. Ils nous donnent même un petit câble, notice, tout ça. Même la garantie de 24 mois. Donc, c'est super. Et là, la grosse batterie, les amis. Hop là, regardez ça. Ah ouais, elle est vraiment fat. Donc ouais, du coup c'est leur nouvelle batterie, un peu plus compacte, vraiment. Et avec leur petit étui, ça fait vraiment l'affaire. Je vous mets les liens en description, c'est super important, hein. Voilà, regardez ça. Ah ouais, elles sont vraiment propres. Elle est ultra fat. Vous savez que j'aime beaucoup les batteries OK et tout. Voilà, j'ai déjà ces deux batteries là, elles sont géniales. Et voilà, là il y en a encore des mieux. What the fuck, les amis, c'est énorme. Donc voilà, on a celle de 20 000 mAh et celle de 10 000. Alors pour info, une de 10 000 mAh, vous pouvez charger peut-être 4-5 fois votre téléphone, grand max. Et celle-là, on peut charger peut-être 8-9 fois. Donc voilà, c'est pour vous dire. C'est un peu fat quand même ça, mais celle-là, elle tient parfaitement dans une poche. Les produits OK, en général, ça coûte pas très cher. La qualité, elle est plutôt bonne. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous présente des produits OK. Et c'est voilà, c'est parfait pour une idée peut-être de cadeau Noël et tout. Je sais que les fêtes approchent et une batterie externe, ça sert toujours. J'en sers tous les jours de mes deux batteries là. Donc voilà, celle-là, voilà, ça peut toujours servir. Ces nouvelles batteries, elles sont parfaites. Il y a même un petit étui et tout. Franchement, foncez les potes, c'est dans la description. Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des outils qui sont hyper cheatés de Minecraft. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Et oui, les amis, une vidéo par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est super important. Regardez comme il me regarde mal, le PNJ derrière là. Il mérite des claques, non? Tiens, dans la lave. Tiens, meurs. Le mec il va un peu loin. J'ai tué le PNJ, yes. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. Alors c'est avec des commandes. Alors c'est avec des commandes spéciales et tout. Donc c'est assez compliqué à expliquer, mais je vais vous envoyer le lien dans la description, voilà, de ces The Red Engineer qui fait ça. Ça s'appelle des one commands ou des two commands, parce que là c'est avec des deux, enfin c'est voilà, c'est one command, et c'est avec une commande de command block, et ben on va pouvoir rajouter des items dans Minecraft et ça va être hyper cool. Donc là en l'occurrence avec deux command blocks. Donc comment faire, les amis? Et bien vous faites slash give votre pseudo, donc moi c'est Oximos, vous mettez Minecraft de point command block, voilà comme ça. Et ça vous donne un command block. Vous allez en poser un ici et vous allez en éloigner un, voilà, en poser un deuxième. Et vous allez coller les deux commandes qui sont dans la description. Voilà, hop, vous les mettez là. Et vous mettez always active. Donc moi j'ai déjà fait, regardez, j'ai déjà fait ici. Hop là, donc vous mettez les deux commandes. Vous mettez always active down. Là ça va construire un truc. Et là vous allez mettre always active, hop, down, et voilà. Une fois que vous avez vos deux commandes, c'est prêt les amis. Ce que vous aurez juste à faire maintenant, c'est vous allez prendre du diamant. Donc vous allez en prendre 6. Donc là vous allez en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez prendre une table de craft. Et en fait ça va faire une petite maison, ça va faire un temple. Regardez ça, tac, tac. Voilà, ça donne un mini diamond ore house. Donc voilà, donc on a des grandes commandes. Ça sert pas à grand chose pour l'instant, c'est pour désactiver tout ça, c'est pas très important. Et on va mettre, alors attendez, je vais juste tac, tac, ça lague un petit peu. Donc je vais me mettre en comme ça, voilà, là c'est un peu plus fluide. Et hop là, voilà, là on a créé la maison, les amis. Regardez, une toute petite maison trop mignonne. Voilà, on a une super maison. Et on va pouvoir rentrer dedans, et hop là, on est rentré dedans. Et donc c'est super, les one command, ça fait longtemps que je n'ai pas présenté sur ma chaîne. Limite je crois que ça fait presque un an, mais c'est toujours trop cool. Voilà, The Red Engineer, le meilleur. Alors du coup on rentre, regardez, on a donc on a une super maison, hein, voilà, une petite maison bleue et tout. On a un PNJ, bleu comme mes cheveux d'ailleurs. On a un PNJ les amis. Voilà, donc PNJ assez cool. Et là hop, on peut lui demander. Donc en fait si on met une diamond pickaxe et 3 diamants, on peut avoir un outil comme ça. Et en fait on peut faire ça avec plein d'outils. Et chaque outil va donner un truc différent les amis. Donc ça c'est vraiment génial. Je vais faire tous les outils et je vous retrouve juste après.
C'est bon les amis, regardez, j'ai crafté tous les outils, donc il y en a, ils sont plus ou moins forts et tout, vous allez voir, ça va être trop bien. On va remonter pour vous montrer ça, tac tac tac, voilà, et hop là, regardez. Hop là, on est sorti de la maison, voilà, donc elle est toute petite. C'est vraiment cool, hein, vraiment les nomodes, je kiffe ça, les One Common Nomodes, vous appelez ça, voilà, ça a deux noms. Et c'est super cool. Donc on va se mettre en game mode 0 slash game mode 0. Voilà. Et on va commencer par l'appel. Alors l'appel, qu'est-ce que c'est? Quand on casse un bloc, ça va casser des 11 par 11. Alors c'est parti. Hop là. Voilà. Ah c'est trop bien. C'est tellement bien les amis. Alors je crois que c'est... Oh. C'est que en surface. Comment ça se passe du coup? J'ai du mal à comprendre. Hop. Ça casse que quand... Wouah. Comment ça creuse? What the fuck? Et ça casse là? Non, ça casse que en surface. J'ai un peu de mal à comprendre. Wouah. Les amis, c'est n'importe quoi. Je suis en train de tout casser, regardez, je fais un grand grand espace. Et voilà, c'est hyper cheaté. Donc voilà, n'hésitez pas à installer la commande, hein, c'est pas mal, regardez. J'ai donné 10 coups de pelle, c'est bon, c'est déjà parti. Il y a déjà plus d'herbe, il y a déjà plus de sol. Donc voilà, ça c'est le premier item. Le second item, Fire Aspect alors c'est Smell or Humane. Alors en gros, ça casse tout. Ça fait fondre les items qu'on mine. Alors je pense que là, ça sert à rien pour l'instant. Ça sert à rien parce qu'on n'a pas, trouvé de minerai de fer et tout. Mais on attendra pour plus tard. Donc ça on a déjà fait. Alors mine 3 x 3 x 4 always in front of you. Ok. Donc là c'est pour aller en dessous. Voilà. Oh. Alors wow, c'est trop bien. Ça fait déjà des tunnels en fait. Wow, c'est trop stylé. C'est trop stylé les amis. Ça fait des gros tunnels. C'est devant toi en fait. Si tu mines devant toi, ça fait des gros tunnels. On va peut-être trouver des minerais, qui sait, hein. Peut-être qu'on va trouver des grands minerais. On va se mettre bien en face, voilà. On va se mettre là, tac, tac, voilà. Ça a un peu de mal, hein. Des fois ça mine pas, je sais pas dans quelle mesure ça mine. En tout cas, il faut trouver des minerais. Comme ça, hop, on peut trouver... Enfin, on va pouvoir utiliser nos autres outils. Oh là là, c'est trop stylé. Je kiffe les amis, je kiffe. C'est trop cool. Hop là, on fait... Ah oui, on fait des gros trous comme ça. Waouh. Ah c'est bon, on a trouvé des minerais, regardez. Tac, on a trouvé des minerais. Ouah, il y a plein de trucs. Merde, par contre, oui, non. Je vais mourir. Slash game mode 1. Voilà, on va se mettre slash difficulty 0. 1 plutôt 0, ouais, comme ça. Voilà, c'est bon. On va se remettre en game mode. Alors, on va rester en game mode 1 comme ça. Donc, on a pas mal de minerais ici, c'est parfait. Voilà, il n'y a plus de monstres. on est bien. Donc, bah, d'ailleurs, les amis, ça va être un truc super pour vous montrer. Tac, tac, tac. Voilà, qu'on peut poser des torches. Regardez cette flèche là, elle sert à poser des torches. Si on sneak et on fait ça, je crois que. Alors, attendez, c'est quoi? Torch gun sneak to shoot a torch. Ouais, bah, super, mais je sneak, mais ça met pas. Yes, alors bon, bah, écoutez, ça marche pas. Hold attack nearby items. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, il y a des trucs, je sais pas trop. Comment ça se fait qu'on peut pas faire le torch gun? Ça marche pas? Tac, tac. Bon, écoutez, ça marche pas. Dommage. Alors, du coup, ça marche, on l'a vu. Only remove stone in a set. Nanana. Ok, ça enlève juste la stone. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Only remove stone. En gros, si je fais ça. Ah ouais, ça garde que les minerais. Bah super. Ah ouais, ça c'est trop bien ça. Attendez. Du coup, ça enlève juste la stone. Regardez. Du coup, on a que les minerais qui ressortent. C'est parfait. Hop. Voilà. Voilà. Si c'est pas bien, ça. On va essayer d'atteindre le diamant. On va. Je vais mettre juste en internal. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Tac. Tac. C'est trop bien, les potes. C'est trop bien. Hop. Hop. Allez. Allez. On va essayer de tomber sur du diams. Hop là. Non. Alors, attendez. On va essayer de tomber que sur du diamant. Ou alors, on commence à avoir du lapis. Voilà, voilà. Regardez tous les minerais que j'ai réussi à avoir. Il y a de l'or, on est sur une bonne piste. Hop là, c'est trop bien. Alors du coup ça c'est bon. Et du coup ça aussi c'est bon pour les tunnels. Fire aspect, et du coup ça cuit directement. Ah ouais, ça c'est trop bien. Donc là on arrive à cuire directement. Parce que du coup normalement on est obligé de les cuire dans des fours et tout. Et là on a directement du fer, de l'or et tout. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Regardez, hop là on a du fer, c'est trop bien. Je vais juste remettre ça, ça je kiffe, franchement je kiffe ça. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Voilà, c'était celle-là. Waouh, de fait que c'est trop bien. Hop, hop, hop. J'en étais sûr que j'allais tomber dans la lave, j'en étais sûr. Non, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes items, les amis. Non, je suis nul.
Ok les petits potes, c'est bon, j'ai refait les derniers items qui me restaient, tout simplement, voilà, j'avais tout perdu et tout, je me retrouvais plus. Donc j'ai fait un petit trou et c'est reparti, donc il reste quelques items à tester, notamment ces trois là et celui là, voilà, il reste 4 items à tester. Là, alors c'est comme un tunnel, comme on a fait tout à l'heure, sauf que c'est beaucoup plus gros. Hop là, voilà, bon, on voit le truc, c'est une machine, hein, le bordel. Hop, on peut miner en haut, est-ce qu'on peut miner vers le haut? Non, on peut pas, ok, donc ça, à mon avis, c'est que la, voilà, c'est que la pierre. Hop là, what the fuck, c'est trop stylé les potes, c'est trop stylé, regardez ça, hop, voilà. Donc ça, c'est fait, maintenant on a celle-là. Alors je crois que c'est avec Super OP Pika, je crois que c'est avec des explosions, je suis pas sûr. Alors c'est, comment ça marche, what the fuck? Ok, ouais, ok, ça marche. Alors c'est marqué... Ah, what the fuck, c'est quoi ça? Ça donne une tête? Alors, c'est quoi? Si on la casse? Non, ça donne rien, ok. C'est juste du troll, je pense. It's the coolest thing ever. Non, à mon avis, je pense que c'est juste... En plus, ça me donne du speed en moins. Ouais, non, ça doit juste être du troll. Ok, ok. Donc ça, celle-là, c'est bon. Et celle-là, c'est quoi? Min all blocks in 13 soit 13 soit 13 volume. What the fuck. Alors ça, ça va être encore... Alors, attendez, hop. Oh, je suis choqué. What the fuck, les amis. Ça m'a... Attendez. What the fuck. Oh, attendez. Mais c'est énorme. Mais Mais... Wouah. Les amis, c'est quoi ce bordel? Attendez, mais j'ai des blocs en plus, j'ai du XP et tout. Mais c'est n'importe quoi. Wouah. C'est n'importe quoi, les amis. J'ai jamais vu ça. Et attendez, le dernier item, c'est quoi du coup? It generate an explosion of light. Ok. Oh, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. J'aime bien. Alors, on va se remettre en game mode 1. Game mode 1. Voilà, c'est bon. On se met en game mode 1 et on va aller voir dehors. Parce que là, mais c'est énorme. Attendez, si j'en mets là. Hop là. Pff, explosion de lumière et ça pose des torches. C'est sympa, c'est sympa. Non mais ça, je suis choqué. Attendez, game mode 0. Je suis choqué. Hop, on va faire ça. On en casse quelques-uns. Ça marche pas sur la terre, c'est ça? Bah on va creuser. Hop là. Non mais en vrai, je suis choqué les potes. Bon bah ça marche plus, dommage. Ça ne marche plus déjà. Peut-être c'est un autre truc. Non, 13x13. Non, en vrai, je suis un peu choqué quand même. Hein. Le truc, il détruit tout sur son passage. Merci quoi. Tac, tac. Bon, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas, c'était bien cool. On a vu pas mal de trucs. Il y a quelques items quand même que j'ai pas réussi à faire fonctionner. En tout cas, voilà, vous avez un ordre d'idée de voilà ce qu'on peut faire avec des commandes blocs. Voilà, c'est The Red Engineer. Il est ultra talentueux. Il y a son site en description avec la commande à faire. Il y a deux commandes à paste. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, pensez à la commenter, pensez à la liker, pensez à la partager. C'est le plus important, bien sûr. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis, c'était Oxymos pour servir. Allez, ciao.